Hello, nouvelle ouverture de colis cette semaine avec ces deux colis Almé. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup à ouvrir cette semaine parce que j'ai que ces deux trucs à vous montrer. Alors pourquoi il y a deux colis? Parce que j'ai passé une commande Almé avec une promo. C'est ce vêtement-ci, il y a un vêtement dedans. Et en même temps, comme c'était pas cher, j'en ai profité pour commander un article qui était en précommande. Alors, si tu connais pas Almé, ils fonctionnent beaucoup avec les précommandes, justement. Ce qui est intéressant pour eux, pour évaluer si un produit plaît et le nombre de ventes qu'ils vont faire. Et du coup, la majorité de leurs produits sont en précommande. Et les précommandes, ça peut être livré genre un mois, voire 2 mois plus tard. Donc, faut pas être pressé, quoi. Comme à chaque fois, si t'as pas encore regardé des vidéos que je fais, c'est des vidéos qui seront pas coupées. Donc je vais parler. Je vais ouvrir les colis en direct. Donc là, tu peux voir qu'ils sont fermés. Je vais les prendre l'un après l'autre. Je vais d'abord prendre le vêtement et je vais te montrer ce que j'ai acheté. Alors, Almé, tu connais, j'ai déjà commandé. Si tu veux voir, il y a mes anciens hauls qui sont dans les vidéos précédentes. Et je suis pas toujours hyper satisfaite, mais dernièrement ça va vraiment mieux. Les dernières commandes, ça va mieux quand même. Et Almé, c'est des produits qui coûtent assez cher. Du coup, moi ce que je fais, j'attends tout le temps quand il y a des promos pour commander parce que sinon je trouve que c'est un peu trop cher. Donc voilà, je suis pas riche, hein, les gars. Et du coup, voilà, j'ai commandé en promo. Je vais te montrer le petit sac est fermé et on va l'ouvrir. On va d'abord ouvrir celui-ci. Donc. Ouverture. Voilà. Avant, ça arrivait dans des boîtes et je trouvais que c'était plus joli. Mais à mon avis, ça leur revient moins cher de faire des sachets. Ouverture à l'intérieur. Une carte. Comme la dernière fois. Almé inclusive. Merci de l'achat. Blablabla. Voilà. Petite photo de la collection de fête de cette année. Et est-ce qu'il y a autre chose à part le vêtement? Non, il y a le vêtement. Je vais essayer de le goûter. Hop. Et c'est tout. Voilà, on sait jamais, hein, quelque chose d'autre. Donc le colis est arrivé comme ça dans son papier d'emballage avec le petit macaron autocollant comme d'hab. On va ouvrir. C'est bien plié, enfin, ils l'ont bien mis à plat et je sens qu'il y a un carton à l'intérieur. Alors, je retire le macaron. Ah, je l'ai cassé. Je déteste casser ce macaron. Voilà. Et à l'intérieur, il y a un vêtement qui est le body tall, si je me rappelle bien. Alors, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je pense 45, 40, si je vais vous montrer. Donc, voilà. Bon, je suis en pyjama. Faites pas attention en dessous. Donc, voilà le body tall. Alors, moi, j'adore les body. J'ai déjà essayé plusieurs bodys chez Almé, mais j'ai des bodys de partout. J'adore ça. J'en ai. Je sais pas combien j'en ai. J'en ai peut-être 10, tellement que j'aime bien ça. Et ce body, il est vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu sur des photos de clientes parce qu'il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle. Mais je sais jamais le nom. C'est les Almettes. Les Almettes by Almé, je crois. Et du coup, sur ce groupe, bah, c'est des clientes qui montrent un petit peu leur look, etc. Et je l'ai vu, ça donnait super bien sur plein de femmes. Je me suis dit, je vais l'acheter. C'est plutôt un body maille. Je sais pas si ça va se voir bien. Ouais, on le voit. Je dirais que c'est plutôt un body ouais, automne, quoi. C'est un body automne. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le détail ici. De toute façon, je vais l'essayer et je vais te montrer comment ça va. Et je vais ouvrir le deuxième parce que du coup, je vais faire un full look avec ce que j'ai reçu. Donc, deuxième colis. Petite ouverture. Ils mettent un truc pour tirer dessus. Voilà. Hop. Et là, c'est un truc que j'avais précommandé. Ok, de nouveau. Voilà. La petite carte qui est cette fois pliée, c'est la même carte. Ouais, c'est la même carte avec la même photo. Merci, blabla. Et cette fois, j'ai commandé une ceinture. Alors, je recherche des ceintures, j'en trouve pas d'extraordinaire. Dites-moi si vous avez des bons endroits où trouver des ceintures, mais pas des ceintures basiques. J'aime quand elles sont un peu spéciales. J'ai encore cassé le macaron. Quand elles sont spéciales, et celle-ci, elle était vraiment jolie. J'espère qu'elle va aller. Et j'espère que c'est ma taille parce que j'étais pas sûre. Oh, c'est dans un pochon.
Du coup, c'est dans un pochon. Petit pochon comme ça. Putain, j'espère. Ça me sent petit. Hein. Voilà, avec l'étiquette, hein, évidemment. Almé, inclusive, évidemment. Voilà, les dis, les retours ne seront acceptés que si cette étiquette reste attachée. Ok, et je vous la montre. C'est marrant, je pensais qu'elle est... Non, je sais pas si elle va être assez grande. Ça, c'est... En fait, je sais jamais quelle taille prendre pour les ceintures. Ah, si, c'est un élastique. Mais du coup, j'ai peut-être pris un peu trop grand, en fait. Ah. Ok. Mais c'est moi ou sur la photo, elle n'était pas forcément attachée, cette ceinture. J'ai vérifié. Donc voilà, c'est quelle ceinture. C'est une ceinture comme ça. Elle a un crochet là. Elle se ferme comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est comme ça et c'est élastique. C'est très beau. Ça semble être de très bonne qualité. Vraiment, le matériau est vraiment... c'est canon. Franchement, elle est canon. Mais j'espère que je l'ai pris à la bonne taille. Je sais jamais quelle taille de ceinture je vais prendre. Mais du coup, je me recule. Faites pas attention au pyjama en dessous. Voilà. Donc ça, c'est au repos. Et on peut vraiment tirer dessus. Je peux encore tirer, en fait. Hein. Je vais pas le faire, mais... Est-ce que je l'ai pas prise trop grande? Quelle taille est-ce que j'ai pris? Est-ce que c'est noté? LXL. LXL, mais chez Almé. Je sais pas si j'ai pris la bonne taille. On va voir, je vais vous faire un look. J'ai juste enfilé un jeans et je vais vous montrer le body comme ça. Je me mets dans l'autre sens pour que vous voyez mieux et on crash test tout ça. Voilà. Me revoilà habillée du body, donc je vous montre. C'est du 48-50 et la taille est nickel. Alors ce que j'aime beaucoup, et je pensais que j'allais avoir un problème avec ça, mais non. C'est que il y a l'ouverture là et j'ai mis un soutif bien couvrant qui monte bien haut pour voir justement si ça ne dépasse pas. Et regardez, il n'y a rien qui dépasse. Donc mon soutif il est là. Donc même avec un soutif bien couvrant, il n'y a pas de souci. Ce détail ne sera pas embêté par ce qui est en dessous quoi. Donc c'est vraiment bien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut le mettre comme ça aussi. Regardez, hop. Ça tient pas, mais c'est marrant que ça bouge comme ça. Voilà, ils sont trop bons, ils sont neufs. Au niveau des manches, regardez, c'est des manches 3 quarts. C'est vraiment, il est vraiment joli. Niveau taille, il taille super bien. Donc 48-50, je suis vraiment à l'aise dedans. Moi, il y a très souvent un souci avec les bodys de Almé que j'ai, c'est qu'ils sont pas assez hauts. Je sais pas si c'est lié à moi parce que je suis grosse et petite. En fait, je sais pas c'est lié à quoi, mais moi souvent, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ça, les bodys sont pas assez hauts et du coup c'est super compliqué à fermer par en dessous, si je l'ai enfilé par au-dessus, je me suis pas pris la tête, mais j'ai constamment ça avec plein de bodys, ou alors des bodys qui sont trop échancrés, qui remontent jusque là, genre, qui font ça, et ça je trouve ça horrible parce que même avec un jeans, tu vois le dessus, ça remonte, enfin soit, et celui-là il est vraiment, il taille vraiment, mais vraiment nickel quoi, il taille vraiment bien, je me sens extrêmement à l'aise dedans. Et comme je vous dis, pas de soucis, je l'ai enfilé par au-dessus pour pas retirer le... C'est un scratch ou un... Non, c'est des pressions en dessous. Il est hyper agréable. Bon, je me tourne pour que vous voyez. Bon, franchement, il est vraiment canon. Maintenant, je vais mettre un jeans. Bon, c'est pas non plus le jeans le plus adapté pour faire la tenue, mais... je l'ai trouvé comme ça, il traînait dans ma chambre, donc voilà, donc c'est pas le plus adapté, voilà, c'est un élastique, comme ça vous voyez ce que ça donne, et je vais mettre la ceinture du coup, alors, par contre, comment je, ça passe dans les passants, c'est pas possible, ça passe dans les passants, ça c'est hyper lourd, hyper gros. C'est vraiment large en fait. Ouais, ça passe. Bon. Alors il y a un truc, c'est vraiment du rose poudré. Hein. C'est pas du doré. Enfin, pour moi, c'est pas du doré. Je vais vérifier la couleur que j'ai prise sur le site. Je vous mettrai si j'ai pris du doré ou du rose poudré. Mais pour moi, c'est du rose poudré ça. C'est pas du doré. Doré, ça serait plus or. Du coup. Bon, je fais passer dans les passants. Allez, passe.
Voilà. Alors, si... Ça m'a franchement pensé qu'elle n'était pas du tout comme ça. Si je ne la serre pas, si je ne la ferme pas, voilà ce que ça donne. Ça vous permet de voir par rapport à la taille que je vais vous indiquer ici, ce que ça donne par rapport à ma taille. La taille que j'ai prise par rapport à mon tour de taille. Donc ça, c'est ce que ça donne si je ne la ferme pas. Et si je la ferme, il n'y a aucun souci en fait. Elle est super belle, regardez ça. Et encore de la marche, regardez, hop. Ouais, grave. Bon, après, elle sert rien. Franchement, elle sert. J'ai pas l'impression qu'elle sert. Mais justement, j'aime pas quand ça sert trop. Parce que je sais pas, quand tu t'assieds, t'as une ceinture qui est fort élastique, mais très épaisse. Avec, comment on appelle ça, un ceinturon? Je sais pas. Quand cette partie-là est très grosse, tu vois que t'as vraiment... J'ai pas une ceinture sous la main, je crois. Mais quand t'as un gros truc et que tu t'assieds, tu te sens vraiment bizarre. Tu sens le truc qui te rentre dans les bourrelets et ça serre fort. Là, pas du tout. Je suis vraiment à l'aise. Mais à mon avis, c'est parce qu'elle... Je regarde derrière comment ça tombe. C'est parce qu'à mon avis, elle serre pas grand-chose. Elle serre pas fort. C'est pas qu'elle serre pas grand-chose, c'est qu'elle serre pas fort. Mais du coup, c'est nettement mieux, je trouve. Bon, ça va pas avec le pantalon. Clairement, ça va pas avec le pantalon. Mais waouh. C'est super joli, je trouve. C'est vraiment beau. Elle est vraiment super belle. Et de bonne qualité et tout. Je m'attendais pas. J'ai eu peur de la commander parce que d'après les photos du site, en fait, j'avais l'impression qu'elle était rigide. Tu vois qu'il y avait toute une partie complètement rigide et qu'il fallait... tu sais, comme les bagues, quand il y a une fente et que tu dois faire autour du doigt. Ben, je pensais que c'était ce genre de ceinture rigide, mais pas du tout. Donc, je suis hyper positivement surprise. Elle est méga canon. La couleur est top. Ouais, ça tue. Non, franchement, elle est super bien. Et pas du tout gênante, comme je te disais. Pas du tout gênante. Elle est vraiment élastique comme il faut. Gâter encore de la marque, je te montre bien. Bon, franchement, elle est canon. Donc, c'est deux super achats. Et je suis super contente parce que j'ai toujours peur d'en commander, d'avoir des soucis parce que j'en ai déjà eu. Mais là, c'est deux super achats. Trop jolis. Trop jolis. Même le body, là, c'est un peu large. Là, je trouve que c'est trop joli. Ça, ouais, franchement, c'est... Et là, c'est du doré ou du rose poudré? C'est plus du doré, ça. C'est pas la même teinte. Enfin, voilà. Je vais vérifier aussi, du coup, les teintes que j'ai prises, la teinte pour la ceinture. Et de toute façon, c'est noté sur la vidéo. Je me regarde dans le miroir, mais franchement, ravie. Franchement, les deux achats, j'ai bien fait de précommander cette ceinture. Je la recommande à tout le monde. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment, vraiment bien. Je pense que je vais la recommander en argenté. Je crois qu'elle existe en argenté. Non, elle est vraiment bien. Et le body tal, il est magnifique, le body tal. Vraiment. Super beau. Très très contente. Je vous recommande absolument les deux produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bien sûr, vous retrouverez ce haul version court sur TikTok. Et voilà. Donc voilà. Non, je suis vraiment contente. Et évidemment, on se retrouvera bientôt pour un prochain unboxing. Ça sera peut-être les collants pulpeux, je pense. Ouais, à mon avis, ça va être ça ou la commande Kelly. On verra. Je vous dis à bientôt. Salut !